Bonjour et bienvenue dans RPG Maker Alliance. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est la fin du donjon qu'on a commencé dans le tutoriel précédent. En fait, on va avoir une salle du coffre, avec une cinématique où le héros marche tout seul puis va l'ouvrir, et il trouve une clé maudite. Là, l'histoire est complètement freestyle, c'est juste pour qu'il y ait un coffre et un objet à l'intérieur. Et derrière nous, va apparaître un monstre qui sera en fait le boss final du donjon, et on va faire en sorte qu'il ait des mécaniques un peu intéressantes, c'est-à-dire qu'il va faire apparaître des ennemis. Ces ennemis-là, on va leur donner des compétences qui leur permettent d'absorber notre vie. Voilà, des trucs un peu sympas. Et puis, à la fin, le donjon va s'écrouler, et donc il y aura un minuteur, il faudra fuir avant la fin du temps imparti. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. Alors, j'ai déjà créé cette salle du coffre. Maintenant, ce qu'on va commencer par faire, c'est créer cette clé maudite pour qu'on la mette dans le coffre après. Donc, on va aller dans la base de données. Et dans l'onglet Objet, vous allez faire Changement Max. Voilà, comme ça, on a une place pour mettre notre clé. Et on va lui donner une icône. C'est par là. Ok. Maintenant, on va créer notre coffre. Vous allez voir, c'est très simple. Vous allez dans les événements et vous faites clic droit, création d'événements rapides et trésor. Ici, vous pouvez changer son apparence. Et puis, nous, on va mettre la clé maudite à l'intérieur. On va regarder comment il est fait. Je vais l'appeler coffre. Et en fait, il joue un effet sonore de coffre, d'ouverture. Puis, il y a cette fameuse trajectoire de mouvement, tourner à gauche, puis tourner à droite, que je vous avais appris la dernière fois pour faire l'animation d'ouverture du coffre, puisque vous voyez, il y a plusieurs stades d'animation. Et puis, il active un interrupteur, je vais en parler juste après. Il nous donne la clé maudite, et il a créé un message automatique, que je vais changer un petit peu, parce que il est pas terrible, là. Voilà, c'est un petit peu mieux comme ça, quand même. Alors, cet interrupteur qu'il active, vous voyez qu'il a écrit « interrupteur auto ». C'est parce que la traduction n'est pas terrible, mais en vrai, sur les autres RPG Maker, vous verriez « interrupteur local ». En fait, quand vous utilisez les interrupteurs traditionnels, eh bien, vous prenez de la place dans votre liste des interrupteurs, qui est commune à tout le jeu. Le problème, c'est que si vous utilisez un interrupteur pour le moindre levier ou le moindre coffre de votre jeu, ça devient vite le bazar, parce que vous allez devoir créer un interrupteur à chaque fois, et votre liste, elle sera remplie, vous vous y retrouverez plus. C'est pour ça qu'il y a les interrupteurs locaux. Ici, vous voyez, il active l'interrupteur local A, il le met sur ON, pour passer à la deuxième page. Vous voyez, il le met en condition pour la page 2. Sauf que l'interrupteur local A de ce coffre n'est pas le même interrupteur local A d'un autre coffre que vous créeriez juste après. Chaque événement a ses propres interrupteurs locaux. Et donc c'est très pratique lorsque vous avez besoin d'un interrupteur pour changer l'état d'un seul événement, comme c'est le cas ici. Et les interrupteurs traditionnels vont toujours vous servir lorsque vous avez besoin de changer l'état de plusieurs choses à la fois. Par exemple, lorsque vous faites une énigme avec des leviers et des portes qui doivent se changer en même temps, comme la dernière fois. Donc voilà, c'est tout pour les interrupteurs locaux. Maintenant, on va quitter. Et ce qu'on va faire, c'est regarder comment marche le coffre en jeu. Alors vous voyez, on a le petit son et puis on a le message. Donc ça marche plutôt bien. Vous voyez qu'après, il reste ouvert et on ne peut plus réinteragir avec. Ce que j'aimerais bien, moi, c'est en fait faire une cinématique où, dès qu'on entre dans cette salle du coffre, eh bien, le héros monte tout seul, sans qu'on ait besoin d'appuyer sur une touche, et ouvre le coffre de lui-même. Puis après, le boss va apparaître, etc. Alors ce qu'on va faire pour ça, c'est créer un événement qui se joue automatiquement lorsqu'on entre dans cette carte. Pour ça, je vais créer l'événement n'importe où, par exemple ici, là. Je vais l'appeler cinématique. Et je vais mettre en déclenchement exécution automatique. Comme ça, dès que vous arrivez dans la carte, tout va se bloquer pour jouer cet événement, en fait. Maintenant, je vais déplacer l'événement vers le haut. Mon héros, il me semble qu'il doit monter de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Attendez, je vérifie que ce soit ça. Oui, c'est ça. Et maintenant, on va ouvrir le coffre, automatiquement. Donc je vais simplement copier le contenu du coffre ici, et puis le mettre dans ma cinématique. Je vais prendre tout ça, je vais couper, et coller. Par contre, si vous avez bien suivi, y a un problème, c'est le coût de l'interrupteur local. Parce que maintenant, en fait, j'active l'interrupteur local de l'événement cinématique. Donc il va falloir que je crée un interrupteur normal. Je vais supprimer ceci. Je vais créer un interrupteur que je vais appeler coffre. Ok. Et maintenant, en condition
Pour que le coffre reste ouvert, je vais plutôt mettre l'interrupteur coffre. Ok, comme ceci. Il y a aussi un autre détail qui a changé quand on a copié-collé, c'est qu'avant la cible de la trajectoire de mouvement, c'était cet événement. Il faut bien que je spécifie qu'on est sur coffre en fait. Voilà, donc maintenant ça devrait marcher. Voilà ce que ça fait dès que j'arrive sur la map sans rien toucher. Alors pour une cinématique qui se déplace un peu vite, je vais ralentir son déplacement et puis aussi j'aimerais que les gens derrière lui arrêtent de le suivre parce que c'est pas très esthétique. Ce qu'on va faire, c'est que au tout début de la trajectoire de mouvement, je vais changer sa vitesse. Au lieu de normal, on va mettre plus lent. Et puis je vais remettre sa vitesse comme avant à la fin de son déplacement, parce qu'après quand on reprendra le jeu, il faudra pas qu'il soit tout lent. Il faut bien qu'on remette la vitesse normale après. Ok, et aussi je vais désactiver, oui, le fait que ses alliés le suivent. Alors ça doit être... Ah oui, c'est à la page 2, mais c'est juste super mal traduit, c'est changer suiveur du joueur. Donc là, si vous mettez sur off, vous aurez plus les gens qui vous courent après. De la même façon, faudra remettre sur on à la fin de la cinématique, quand on reprendra le jeu. Et ça donne ceci. C'est tout de suite un petit peu plus théâtral. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'un ennemi va apparaître derrière nous une fois qu'on a ouvert le coffre. L'ennemi, on va dire qu'il apparaît ici. Donc pour l'instant, je vais créer un événement invisible que je vais appeler boss. Et on va aller dans l'événement. Et une fois qu'on a trouvé la clé maudite, on va lui changer son apparence à ce boss pour qu'il apparaisse. Alors on va aller dans trajectoire mouvement. Puis on va sélectionner le boss. Et ici, on va pouvoir changer son image. On va lui mettre ceci. C'est ça que je vais lui mettre. Donc on met ça. Et on n'oublie pas de lui faire regarder vers le haut, parce qu'il faut qu'il regarde le joueur. Ok. On va faire en sorte qu'il apparaisse avec une animation. Ce sera un petit peu plus esthétique. Alors pour ça, on va ici, vous voyez, montrer l'animation. On va sélectionner le boss. Et l'animation, je vais vous montrer tout de suite après quand on va faire le combat comment ça marche les animations. Pour l'instant, je sais déjà celle que je voulais jouer. Elle est un peu plus bas. C'était Ténèbres 1, 2 de mémoire. On va attendre la fin de l'animation et il va apparaître. Pas mal. Vous voyez qu'il est apparu un peu tard, après que l'animation soit finie. Moi, j'aimerais qu'il apparaisse pendant l'animation. Pour que ce soit plus naturel. Alors pour ça, il va falloir faire un petit peu à vue de nez. C'est-à-dire que, au lieu d'attendre la fin de l'animation avant de faire apparaître le boss, on va décocher ça, et on va mettre la quantité de frames à attendre manuellement. Voyons voir, on va mettre attendre. Vous voyez que 60 frames, c'est une seconde. L'animation avait l'air de durer à peu près 2 secondes, donc si on le met au bout d'une seconde, il devrait apparaître pendant l'animation, ça devrait le faire. Ensuite, on va attendre de nouveau un petit peu, 90 frames je pense, un truc comme ça, et on va mettre un message de ce boss. Tu n'aurais jamais dû prendre cette clé, humain, un truc comme ça. Et puis là, on va lancer le combat. Mais d'abord, voyons voir si ça marche bien. Ouais, ça marche mieux que tout à l'heure. C'est pas mal. Donc vous voyez un petit peu comment ça marche pour faire une cinématique, des animations sur les événements et tout ça. Ah si, il y a un dernier détail que je viens de voir. Il faudrait que notre héros se retourne vers le bas, parce que là, il faisait dos au boss, c'était pas terrible. Donc juste après le « Vous avez trouvé une clé maudite !» on va faire une trajectoire de mouvement sur le joueur, et on va lui dire de se tourner vers le bas. Voilà. Maintenant, on va faire le combat. Alors, quand on va dans Ennemi, vous voyez que là, j'en ai un qui est vide. Avant, il y avait le Minotaur par défaut, si vous vous souvenez bien. C'est juste que j'avais fait des essais pour créer mon boss avant. Et donc, je le vide là pour le refaire entièrement avec vous. Donc, on va l'appeler Chasseur des Tréfonds. C'est un petit peu dark. Je vais essayer de retrouver son apparence. La voici. Et on va lui mettre 1000 PV, histoire que le combat dure longtemps. 1000 PM, histoire qu'il puisse lancer autant de sorts qu'il veut. Puis on va lui mettre 30 partout. Et c'est un magicien, donc on va enlever l'attaque et on va faire en sorte qu'il utilise tout le temps le feu.
Et puis pour ce qui est d'invoquer les chauves-souris, comme je vous l'avais dit précédemment et qu'on a déjà fait ici, eh bien on verra ça tout à l'heure. On va aller dans troupe. Et ah oui, j'avais déjà créé la troupe ici, je vais la vider. Hop, voilà, vous avez rien vu. Donc ici dans troupe, on va mettre le chasseur des tréfonds, qu'on va mettre un petit peu par là. Et on va faire en sorte qu'il puisse faire apparaître des chauves-souris à un moment dans le combat, quand il a un peu baissé en point de vie. Donc on va mettre des chauves-souris comme ceci, on en a deux. Pour faire en sorte qu'elles apparaissent pas au début, vous pouvez faire clic droit et apparaît à mi-course. Hop, vous voyez qu'elles sont transparentes maintenant. Alors pour les faire apparaître, on va aller faire des événements ici. On va mettre un dialogue où notre boss il dit un truc du genre « Venez à moi, âme déchue !» Ensuite, on va faire apparaître les ennemis. Alors pour ça, c'est très simple, vous allez dans l'onglet 3, et ici, vous avez une section combat. C'est tous les événements que vous pouvez faire pendant le combat. Donc ici, il y a apparition ennemi. Vous voyez qu'on peut aussi transformer des ennemis, si vous voulez faire des mutations, des trucs comme ça. Donc nous, on fait apparition, la chauve-souris, et je vais copier-coller pour faire apparaître l'autre chauve-souris. Si elles apparaissent juste comme ça, ça va être un petit peu morne, donc on va essayer de créer une animation sympa sur toute la map avant qu'elles apparaissent. Pour ça, on va donc dans l'onglet animation, ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Et ici, vous voyez qu'il y a pas mal d'animations qui ont été créées par défaut, il y a quand même une grande liste. Et donc, la section animation demande un petit peu d'habitude pour s'y faire, mais après, vous verrez, c'est assez simple. Ce que vous pouvez faire déjà, c'est jouer. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu les différentes animations qui existent déjà. Ici, vous voyez, trame, c'est les images, parce que, évidemment, l'animation a différents stades. Donc, vous pouvez déplacer les images, comme ça, ou même aller ici, vous voyez, il y a tous les stades de l'animation, et puis ajouter une nouvelle image, en double-cliquant, voilà. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est aller dans Ténèbres, parce que notre monstre est trop dark. Ici, on a Ténèbres 1, qui cible un seul ennemi. Et puis on a des animations ténèbres tous qui vont s'afficher sur toute la carte. C'est ce qui m'intéresse pour l'animation où les chauves-souris apparaissent. Alors celle-là est intéressante. Je vais utiliser la 1. Et ici, avant de faire apparaître les ennemis, donc je vais jouer l'animation. Affiche l'animation de combat. Target all enemies. Et on va mettre ténèbres tous. Là. Ok. Maintenant, il faut qu'on lui dise à quel moment ce truc va arriver. Donc on va mettre en condition que les points de vie de l'ennemi sont, disons, inférieurs à 80%. Donc quand il a plus que 80% de PV, il va se passer ça. Après, il y a portée. Parce que pour l'instant, on a juste dit au jeu que les chauves-souris arrivent quand les points de vie de l'ennemi sont à 80%. Mais maintenant, il faut spécifier si ça arrive à chaque nouveau tour, ou alors si ça arrive à chaque nouvelle frame, ou si ça arrive une seule fois dans le combat. Nous, évidemment, on veut que ça arrive une seule fois dans le combat, donc c'est ceci. Maintenant, on va tester. Hop, tester. Alors, pour l'instant, je peux le bourriner un peu jusqu'à ce qu'il ait plus que 80% de points de vie. Et là, dès qu'il a 80%, il y a ça qui se lance, donc on a le dialogue, et on a l'animation avec les chauves-souris qui apparaissent. Là, de la même façon, vous voyez, les chauves-souris sont apparues dès le début de l'animation. Si vous préférez qu'elles apparaissent au milieu de l'animation, vous pouvez faire un attendre, comme on a fait tout à l'heure dans la cinématique. Maintenant, on va rendre nos chauves-souris un peu plus intéressantes en leur donnant une attaque où, quand elles nous mordent, elles vont aspirer nos points de vie. Donc si on perd 20 PV, elles vont en gagner 20. On va retourner dans l'ennemi chauve-souris. Alors déjà, je vais les équilibrer un peu en leur donnant un peu moins de PV et en baissant leur attaque, parce que quand même là, avec le boss en même temps, ça va être un peu chaud. Et on va aller dans compétences et on va créer une nouvelle compétence. Ici, je vais l'appeler, mettons, délectation, un truc comme ça. Ça sert à rien, dans notre cas, de mettre une description et une icône, parce que c'est une compétence qui va être utilisée uniquement par l'ennemi. L'icône et la description ne servent que quand c'est utilisé par le joueur, et donc vous verrez tout ça dans le menu lorsque vous choisissez votre compétence. Le type de compétence, de la même façon, ça ne nous intéresse pas, parce qu'en fait, c'est pour le joueur.
Vous savez, vous avez, quand vous faites un combat, pour chaque personnage, le choix attaque, défense, puis vous pouvez avoir magie ou spécial. Ce sont des types que vous pouvez personnaliser. Mais là, comme on dit déjà dans la page de l'ennemi quelles compétences il peut avoir, on n'a pas besoin de catégoriser comme ça. Ensuite, coup MP, coup TP, on s'en fiche, on va laisser à 0. Ce qui va nous intéresser en revanche, c'est le type de coup. Soit vous pouvez mettre coup certain pour que ça touche selon le pourcentage de succès ici, soit vous pouvez mettre attaque physique ou magique, et ça va déterminer le pourcentage de succès du sort en fonction de l'esquive physique ou l'esquive magique de la cible. Ici, c'est plutôt une attaque physique puisque elle vient nous mordre, la chauve-souris. Maintenant, pour déterminer la quantité de dommages, c'est ici, vous pourrez faire que c'est des dommages de PV, mais nous, ce qu'on va faire, c'est drainer des PV. Ici, on doit mettre une formule. Pour bien comprendre ce qu'il faut mettre dans une formule, je vous conseille simplement de regarder l'attaque de base. Ici, vous voyez A.attaque et B.def. Qu'est-ce que ça veut dire? A, ça veut simplement dire la personne qui lance le sort, et B, c'est la personne qui est ciblée par le sort. Donc ici, vous voyez, quand vous laissez la souris, en plus, vous avez écrit ATK, c'est attaque, et def, ben, c'est la défense physique. Donc en fait, vous prenez l'attaque du combattant, vous la multipliez par 4, vous prenez la défense de la cible, vous la multipliez par 2, et ça fait les dommages d'une attaque normale. Vous pourriez le changer, ça, vous pouvez changer toutes les formules. Et nous, ce qu'on va faire, c'est prendre la même formule, comme ça, que la chauve-souris attaque normalement ou utilise délectation, en fait, elle fera les mêmes dégâts, sauf qu'avec délectation, elle récupérera ses PV en plus. Si vous voulez que des coups critiques soient possibles, c'est possible aussi. On va le mettre, oui, ce sera plus rigolo. Donc maintenant, on va ajouter délectation à notre chauve-souris. Hop. Oh, j'oublie un truc vachement important. C'est l'animation qu'on va utiliser. Il doit y avoir une animation quelque part qui s'appelle absorber. La voilà. Elle est pas mal. Donc, on va retourner dans la compétence. Et on va la mettre ici. J'avais la tête ailleurs, je crois. Hop, absorber. Ok. Maintenant, on a un boss qui fait apparaître des alliés. Bon, c'est sympathique, mais on pourrait pousser l'originalité de ce combat encore un peu plus loin. Il faudrait qu'on incite le joueur à tuer les chauves-souris le plus vite possible. Et pour cela, une solution que je vous propose, c'est de faire en sorte que à chaque tour, s'il y a une chauve-souris qui est encore en vie, eh bien, le chasseur des tréfonds va aspirer la vie de la chauve-souris. Du coup, la chauve-souris perd de la vie, mais le chasseur des tréfonds, il est trop méchant, il s'en balèque. Et donc du coup, à chaque tour où on laisse des chauves-souris en vie, notre boss va regagner des PV. C'est pour ça qu'on doit être assez rapide. Ça peut être une mécanique assez intéressante. Donc on va commencer par créer ce sort où le chasseur des tréfonds aspire la vie des chauves-souris. On va aller dans compétences et je vais l'appeler lien du sang. Un truc un peu dark comme ça. On est toujours sur le même thème. Cette fois-ci, ça va être une attaque magique. En animation, il me semble que j'aimais bien Ténèbres 1, qui doit être ici, voilà. En type de dommage, de la même façon, ce sera drainer des HP. Et pour la formule, on va changer un peu. C'est-à-dire qu'avant, on avait une formule qui utilisait l'attaque physique et la défense physique. Comme lien du sang, ce sera plutôt un truc magique. On va faire en sorte que l'attaque magique du chasseur des tréfonds soit multiplié par 4 et qu'après on soustrait la défense magique de la cible. Bon, bien entendu, math, mdef, faut connaître tout ça, ou alors simplement laisser sa souris ici et vous avez tout qui est écrit. Le problème qu'on a avec ce sort, c'est que on peut cibler plein d'ennemis aléatoires, on a pas mal d'options pour ça. Sauf que là, le chasseur des tréfonds, il veut cibler ses alliés. Et lorsqu'on veut cibler ses alliés, soit c'est un allié, soit c'est tous les alliés. Et il peut pas se cibler lui-même, sinon il absorberait sa propre vie, ce serait super nul. Donc ce qu'on va devoir faire, en fait, c'est qu'il cible un allié, et on va nous-mêmes, dans les événements du combat, faire en sorte qu'il lance la compétence une fois par chauve-souris à chaque tour. Donc, on va aller dans Troupes, on va créer une nouvelle page, qui va se passer à chaque début de tour. Donc dans les conditions, ici, on va cocher tour, et en fait, ici, vous voyez qu'on a un truc mathématique. On a un A plus B fois X. Cela vous permet d'avoir un événement qui se joue au tour numéro A,
ce que vous mettez dans la première case, donc ça peut être le premier tour par exemple, puis qui va se jouer tous les temps de tours. Par exemple, si vous voulez que ça se joue au tour 1, puis tous les 3 tours, eh bien vous mettez ça. Donc ça va se jouer au tour numéro 1, puis numéro 4, puis 7, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça se joue à chaque tour, en fait. Donc on va simplement mettre 1 ici, et puis 0 ici, et ça va se jouer tous les tours. Si vous oubliez comment marche ce truc, n'hésitez pas à laisser votre souris dessus, et vous avez vu qu'il y avait une infobulle qui explique la même chose que ce que je viens de vous dire. Donc ici, portée, on veut pas que ça se joue qu'une seule fois par combat, on veut que ça se joue à chaque tour. Et maintenant, on va faire une condition. Si la chauve-souris est apparue, on va lancer l'action lien du sang. Donc on va faire ceci, on va aller dans conditions, et là vous avez ennemi numéro 2, chauve-souris, s'il est apparu, vous faites OK, et à l'intérieur on va lancer la compétence lien du sang. Donc on va dans la page 3, dans combat, ici il doit y avoir forcer une action. Donc le chasseur des tréfonds va effectuer l'action lien du sang sur le monstre numéro 2. Index 2. Parce que si vous regardez bien, vous voyez, on était en train de cibler la numéro 2 chauve-souris. On va faire la même chose pour la troisième chauve-souris. Donc, si la chauve-souris numéro 3 là est apparue, le chasseur des tréfonds va effectuer lien du sang sur le monstre numéro 3. Voilà. On a bien avancé là, je pense. Donc, allons voir ce que ça donne. Vous voyez qu'il a lancé l'action pour la première chauve-souris, puis pour la deuxième chauve-souris, et à chaque fois il s'est soigné. Bon, là, ce qui est un peu particulier, c'est qu'il absorbe la vie de ses alliés jusqu'à ce que ceux-ci meurent. Moi, ça ne me dérangeait pas parce que je trouve qu'il est trop méchant, mais si ça vous dérange, vous pouvez faire en sorte plutôt que le sort qu'on a mis, qui s'appelait lien du sang, soit juste un sort de soin, et qu'il le lance à chaque fois qu'il y a une chauve-souris encore en vie. Donc voilà, on a cette mécanique, c'est plutôt sympa. Maintenant, pour que le combat dure encore un peu plus longtemps, parce que là c'était vachement rapide, on va faire en sorte qu'il fasse apparaître encore d'autres chauves-souris. Quand il aura, disons, 40% de ses points de vie, il va faire apparaître une nouvelle vague de chauves-souris, et cette fois-ci il va en mettre 3. Donc on va rajouter encore des chauves-souris, hop, hop, je vais les... Oulala, c'est un peu le bazar. Je vais les déplacer un peu comme ça, hop. J'essaie de m'en sortir avec la petite taille de la fenêtre. Voilà. On va mettre... Ah oui, bien sûr. Appareil mi-course, donc clic droit. Voilà. Et on va créer une nouvelle page. Condition HP de l'ennemi 40% ou en dessous. Portée combat pour que ça n'apparaisse qu'une fois dans le combat. On va lui mettre un petit message du type... vous ne connaîtrez... jamais la paix mortelle. Il est vraiment pas content, il faut dire. Vous voyez, quand on écrit un message, d'ailleurs, il y a une petite ligne noire ici. C'est pour dire que si vous avez activé un visage, eh bien, toute cette place, elle va être prise par le visage, en fait, dans le jeu. Vous avez forcément moins de place que si vous ne mettiez pas de visage. C'est pour ça qu'en fait, il y a deux tailles différentes pour la boîte de dialogue. Donc là, je reviens à la ligne pour voir pour pas que ce soit coupé. On va afficher de nouveau l'animation de combat qui target all enemies, puisque c'est une animation globale, et elle est par là. Ténèbres tous 1. Ok, et on va faire apparaître tous nos ennemis. Apparition ennemi chauve-souris 4 maintenant. Je vais faire pareil pour 5-6. Et maintenant, n'oublions pas de faire en sorte qu'il joue lien du sang quand ses ennemis sont apparus. Alors on retourne dans notre page où il s'occupe des liens du sang. Et puis je vais copier-coller ces deux événements pour la chauve-souris 2 et 3, mais les mettre pour la chauve-souris 4, 5 et 6. Quand on fait des conditions un peu répétitives comme ça, on a vite fait de s'embrouiller, surtout quand la fenêtre d'événements est aussi petite. Donc essayez de vous relire, soyez vigilants. Maintenant on a un bon combat de boss, on a deux phases d'apparition de petits ennemis. Ce que je voudrais faire, c'est une scène de mort un petit peu théâtrale. Je veux pas qu'il disparaisse comme n'importe quel ennemi. Je veux qu'en fait, lorsqu'on soit sur le point de le tuer, donc qu'il ait 0 PV, au lieu de disparaître, il se téléporte ailleurs et il fait un dialogue et puis après il crée un tremblement. Donc on va créer une nouvelle page d'événements en suivant, voilà. Et en condition,
on va mettre HP ennemi à 0. Sauf que pour que ça se joue, regardez, il nous dit, si vous voulez commencer l'événement juste avant que l'ennemi meure, ajoutez l'état immortel au commencement du combat. Et oui, il faut qu'on rende notre chasseur des tréfonds immortel pour qu'il puisse avoir 0 PV tout en restant dans le combat, le temps qu'on fasse la scène. Donc en fait, on va garder cette condition pour plus tard, mais on va créer une autre page, d'abord, condition tour 0, pour que ça se joue dès le début du combat. Ça va arriver une seule fois par combat, bien sûr. Et en fait, ici, on va ajouter l'état, changer état de l'ennemi. On va ajouter immortel au chasseur des tréfonds. Voilà. Maintenant, on retourne ici. Donc, quand les HP de l'ennemi sont à 0, on va créer un message. Voilà. Et puis, on va effacer la musique de combat petit à petit. Comme ça, il y aura un silence. Ce sera un petit peu plus sérieux. Donc, on va aller ici. Et souvenez-vous, la musique de fond, en fait, c'est BGM, Background Music. Donc, ce qu'on va faire, c'est effacer progressivement BGM. On va dire que ça s'efface en 2 secondes. Ça va faire un petit fondu. OK. Et maintenant, on va afficher une animation de téléportation sur le chasseur des tréfonds, comme quand on a fait la cinématique au début. Donc, affiche l'animation sur le chasseur des tréfonds, et c'était Ténèbres... Ténèbres 2. Voilà. Maintenant, on va faire en sorte qu'il disparaisse pendant cette animation. Donc, le meilleur moyen de faire ça, en fait, c'est d'enlever son état immortel, et puis de le mettre nous-mêmes KO. Alors... on va aller dans l'état de l'ennemi, chasseur des tréfonds, et on va lui retirer immortel. OK. Et maintenant, on va lui ajouter l'état de mort, qui est l'état numéro 1. Alors, au début, ça m'a embrouillé, parce que là, l'état numéro 1 s'appelle assommé. On croirait juste que c'est un état où il est étourdi, mais en fait, non, c'est bien l'état mort. Donc, si vous allez dans l'état, en fait, dans tous les RPG Maker, l'état numéro 1, c'est l'état de mort. Donc ici, si vous voulez, vous pouvez le renommer en KO, ce sera plus clair pour vous. Vous voyez, il y a écrit « État numéro 1 sera automatiquement ajouté lorsque les HP atteindront 0 ». Donc maintenant, on retourne dans notre troupe, et c'est un peu plus clair, vous voyez, changer l'état de l'ennemi. Mince, je dois sélectionner juste le chasseur des tréfonds. Chasseur des tréfonds est maintenant KO. On va créer un tremblement de terre. Je vais commencer par créer l'effet sonore. « Background sound ». Ici on a Quake, donc c'est parfait, c'est ça qu'on veut. Et maintenant on va secouer l'écran. C'est ici, secouer l'écran. Personnellement j'aime bien mettre une puissance faible. En fait la puissance c'est l'amplitude du mouvement, la quantité de pixels qu'il y aura à chaque secousse. Donc personnellement j'aime bien mettre une petite puissance, mais une vitesse très rapide. Et on va dire que... ça fait ça pendant 120 frames, c'est-à-dire 2 secondes. On va attendre la fin, et puis après, on va sortir du combat. Donc on retourne dans la page 3, et ici, vous avez abandonné le combat. Abandonner, encore une fois, problème de traduction, c'est pas abandonner dans le sens où vous avez perdu, mais simplement, ça force le jeu à sortir du combat et à revenir dans le jeu normal. On va tester ce que ça donne. Ah, c'est bon, on y est. On a donc le chasseur des tréfonds qui s'est téléporté, on a eu le petit tremblement avec plus de musique, il y avait un petit silence inquiétant, et forcément la fenêtre s'est fermée automatiquement parce qu'on est dans le test de combat et on est sorti du combat, donc c'est logique. Et voilà, on a un bon premier boss, vous avez appris comment faire des compétences, leur donner des effets un peu intéressants, comment fonctionnent les formules. Tout ce qu'il nous reste à faire évidemment, c'est rajouter le combat à notre jeu. Donc je vais retourner dans notre cinématique, et ici... on va lancer le combat, mais avant, on va changer la musique pour mettre une musique de boss. Qu'est-ce que vous en dites? Ce serait peut-être plus intéressant. Donc, on va aller dans la page 3. Ici, dans la section paramètres système, on peut changer pas mal de choses. La musique de combat, l'effet sonore de victoire, de défaite, etc. Nous, on va changer la musique de combat. Battle 3 me plaît bien. Elle fait bien boss un peu ténébreux. Je vais arrêter et faire OK. N'oubliez pas, bien sûr, de remettre le BGM de combat normal une fois que vous aurez fini toute votre cinématique. Je vais lancer le combat, ici, et on va mettre le groupe Chasseur des Tréfonds. OK. Maintenant, vous savez qu'à la fin du combat, le Chasseur des Tréfonds disparaît.
Donc il faut qu'il disparaisse sur cette map aussi. Juste après le combat, ce qu'on va faire, c'est reprendre le chasseur des tréfonds. Donc ici, on l'avait appelé boss. Et on va changer son image pour une image vide, aucune. Voilà. On fait OK. On va mettre un message d'un de nos alliés qui dit que tout s'écroule et qu'on doit fuir. On va bien sûr mettre un timer, comme je vous l'avais dit. Alors c'est dans contrôler chronomètre. On va dire que notre timer va faire une minute ici. OK. Et ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver les combats aléatoires. Parce que lorsqu'on va fuir de la grotte et retraverser tout le donjon, je ne veux pas que l'équipe soit interrompue par des chauves-souris intempestives. Donc là, vous voyez, on a changé rencontre désactivée. Maintenant, on a un problème, c'est pour faire les secousses de l'écran. Parce que lorsqu'on utilise la commande secouer l'écran, on peut lui dire de secouer l'écran pendant tant de secondes. Et encore, on ne peut pas faire pendant 50 secondes, par exemple, c'est relativement limité. Mais on ne peut pas lui dire « secoue l'écran jusqu'à ce que je te dise d'arrêter ». Nous, ça nous aurait bien plu, on aurait pu lui dire d'arrêter de secouer l'écran à la fin de la minute du timer. Mais on ne peut pas. Il va donc falloir qu'on ait un événement qui contrôle les secousses et qui se joue en parallèle pendant qu'on joue. Et on va dire que toutes les 2 secondes, il lance une secousse d'écran qui dure 2 secondes. Vous voyez un petit peu l'astuce? Ce qu'on va faire, c'est un nouvel événement. Un peu comme la cinématique, on peut le créer n'importe où, il sera invisible. On va l'appeler « tremblement ». En fait, il va se déclencher ici en parallèle. La différence avec automatique, c'est que automatique, tout se bloque pour ne jouer que l'événement automatique, comme la cinématique par exemple. Alors que parallèle, le joueur peut continuer à jouer pendant que l'événement se joue en boucle pendant qu'on est sur cette carte. Ici, comme je vous l'avais dit, on va faire une secousse. C'est ici. On va dire qu'elle dure 120 frames, donc 2 secondes. Je vais remettre comme avant, et en fait il n'y a rien besoin de toucher à part ça, parce que vous voyez il y avait attendre la fin qui était coché, ce qui veut dire que la suite de cet événement tremblement ne va se jouer qu'à la fin des 2 secondes de secousse d'écran. Sauf que comme il se joue en boucle, la seule chose qu'il y aura après les 2 secondes de secousse d'écran, c'est une nouvelle fois 2 secondes de secousse d'écran. Donc en fait on a cette commande qui va se jouer en boucle, et vous n'avez plus qu'à copier cet événement parallèle sur toutes vos maps de grotte, pour que ça continue à trembler sur toute votre grotte. Par contre, on ne veut que ça se mette à trembler qu'une fois que la cinématique est finie. On va donc avoir besoin d'un interrupteur. Retournons dans notre cinématique. Et ici, juste après le combat, on va activer un interrupteur qu'on va appeler tremblement. OK. Et maintenant, notre événement tremblement ne va se jouer que si l'interrupteur est activé. Et maintenant, vous pouvez copier ce truc parallèle sereinement sur toutes vos cartes. De la même façon, on peut faire un autre événement qui, en parallèle, va chercher si le timer est arrivé à 0, et si c'est le cas, nous mettre un game over ou tout ce que vous voulez. Donc ce qu'on va faire, c'est un autre événement parallèle, qu'on va appeler game over. Et ici, on va mettre une condition. Si le minuteur est inférieur ou égal à 0 minute 0 seconde, vous pouvez par exemple mettre un game over, ce qui se situe ici. Voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre un dialogue, un truc comme ça. C'est juste pour vous montrer le principe. Vous pouvez mettre donc des événements parallèles qui peuvent checker des choses sans que le joueur soit coupé dans son action. Pareil, vous mettez votre game over, vous pouvez le copier-coller sur toutes les maps de votre donjon. Une dernière chose avant de tester le jeu, n'oubliez pas d'aller dans la cinématique et d'effacer l'événement cinématique à la fin. Ça se fait très simplement, vous allez dans la deuxième page et effacer l'événement. Parce que un déclenchement automatique va se jouer en boucle, lui aussi, comme un événement parallèle, sauf qu'il va bloquer le jeu. Et donc là, dès qu'on aurait fini la cinématique se relancerait en bloquant le joueur indéfiniment. Donc ce serait pas terrible. Donc on efface l'événement pour que ça arrête de se jouer. Et maintenant vous pouvez tester. Hop, on a le combat qui se lance. Alors vous voyez que ça fait tout de suite un petit peu plus épique avec la musique différente. Bon là j'ai oublié de mettre un fond de combat sur ma carte, n'oubliez pas de le faire vous. Et donc vous voyez comme jouer avec les sons, même si c'est qu'avec des trucs de base de RPG Maker, ça peut vraiment faire une différence pour le feeling qu'a le joueur
et l'impression de qualité qui ressort de votre jeu. Donc même si vous utilisez que les effets sonores et les musiques d'Arpège Maker, faites un effort, essayez de les varier et tout ça. Ça aide beaucoup. Donc je vais finir ce combat rapidement. On a donc le tremblement qui se joue en boucle, on a le timer en haut à droite, et là il n'y a pas le BGS de tremblement, le BGS Quake, souvenez-vous. Donc c'est quelque chose que j'ai oublié de mettre, il faudrait le mettre à la fin du combat, autant pour moi. Et donc maintenant vous n'avez plus qu'à mettre ces événements parallèles pour le tremblement et le timer dans tout votre donjon, et vous pouvez vous échapper tranquille. Je vais fermer le jeu pour vous dire au revoir parce que ça fait un peu mal à la tête. La vidéo était un peu longue, mais j'espère qu'elle va vous servir. Je pense que c'est important d'essayer de varier les combats dans RPG Maker, parce que finalement, des combats tour par tour, ça peut vite être ennuyeux si on ne fait pas vraiment d'efforts. D'où l'intérêt voilà, de faire apparaître des ennemis, de les faire se transformer, etc. On se retrouve dans un prochain tutoriel la semaine prochaine, et peut-être à la RPG Maker Jam ce week-end si vous participez. Merci d'avoir regardé, et à bientôt.